Bonsoir. Alors, cette vidéo est un peu spéciale, puisque c'est une vidéo où je vais d'abord commencer par vous remercier tous, un par un, pour être 10 000 abonnés. Non, peut-être pas un par un, mais bon, 10 000, c'est beaucoup. Alors, merci beaucoup. Cette vidéo, donc, elle est un peu spéciale, donc j'ai essayé de trouver un bon sujet pour faire plein de sons différents. Et j'ai trouvé. Cette vidéo va être sur l'appareil photo argentique. Et ben on va voir ce qu'on peut faire avec. On va d'abord aller le chercher. Donc le voici. C'est un Praktika MTL3. Et il date d'environ entre 70 et 75. 1970-1975. Donc il a été fabriqué. Made in German Democratic Republic. Donc, si je me souviens bien, c'est Allemagne de l'Est. Et non pas l'autre. Ou l'inverse. Je sais plus. Donc, c'est de la marque Pentacon, en fait. C'est le modèle pratique MTL3. Il y a MTL5 aussi. Et voilà. Je l'ai acheté à la braderie de Lille pour 40 euros ou 45 euros. Donc, évidemment, il marche. L'objectif qui est monté dessus, c'est aussi un objectif de la marque Pentacon et c'est un 50 mm qui ouvre à 1,8 minimum et qui peut fermer jusqu'à 16. Donc là, en fait, il y avait un pare-soleil, il y a un reste de pare-soleil là. Donc normalement ça se... Sauf que bon, ça se déploie mais il y a encore un anneau en caoutchouc qui s'est décroché à force de faire ça. Donc il reste plus que ça. Bon, ça protège un tout petit peu. Mais on peut l'enlever. Donc Pentacon, multi-coating, 50 mm, f1.8. La mise au point minimum est de 33 cm. Donc jusque-là. Jusqu'à évidemment l'infini.
Et donc 33 cm, c'est très très peu. Ça permet de faire des très beaux gros plans, des photos de détails. Donc pour fermer le diaphragme, c'est cette bague de 16 jusqu'à 8. Ensuite, on va voir les boutons. Alors, le déclencheur est ici. Ça, c'est pour mesurer l'exposition. Donc, dans le viseur, on a une petite aiguille. Et quand on appuie enfoncé, l'aiguille, la cellule mesure l'exposition, la quantité de lumière. Et il y a une petite aiguille dans le viseur qui va soit monter trop haut quand il y a trop de lumière, soit être en bas quand il n'y en a pas assez, et au milieu quand c'est bien exposé. Donc pour choisir la sensibilité de la pellicule qu'on a mise, il faut soulever ça. Donc on le soulève comme ça. Et ensuite, on tourne en même temps. Et on peut changer. Donc là, je l'ai mis sur 200. J'ai acheté une pellicule qui est ISO 125, forcément. C'est pas dedans. Ça passe de 200 à 100, puis à 50. Donc, je mettrai à 100. Et je saurais qu'il faut que je sous-expose un tout petit peu mes photos. Donc le déclencheur, mesure de l'exposition, sélection de la sensibilité. Ensuite, quand on tourne normalement ce bouton, on choisit la vitesse d'obturation. Ça va de 1 seconde jusqu'à 1 millième de seconde. Donc normalement les chiffres qui sont en orange signifient que déjà à 1/30 de seconde, il y a un petit logo d'une ampoule. Donc à mon avis, ça veut dire que en théorie, en lumière intérieure, tungstène, on devrait pouvoir shooter à 1/30 de seconde, ça devrait être bien exposé. Et ça signifie que avant, c'est trop lent pour faire une photo à main levée. Donc quand c'est en orange, ça veut dire trépied. Quand c'est en blanc, en gris, ça veut dire qu'on peut prendre une photo à main levée. Et B, bien sûr, c'est pour le mode Bolt. Bolt, c'est le mode bulb. Désolé, j'ai tapé un texte de 4 pages sur Word tout à l'heure. Il y avait plein de trucs à mettre en gras, donc j'avais bold dans la tête. On s'en fout, mais c'est pas grave. Donc c'est bulb. Donc tant qu'on reste appuyé, l'obturateur est ouvert. Quand on lâche, il se ferme, la photo est prise. On peut aller jusqu'à 30 secondes, 1 heure, 2 jours. Voilà. Enfin, on a le... Je sais pas vraiment le nom que ça porte, j'ai oublié. Mais c'est pour tourner la pellicule. Donc ensuite, on peut déclencher. Là, j'étais en mode bolt. Bulbe. Bref. Donc, j'appuie une fois. Quand je relâche, ça se ferme. Si je me mets à 1/60, voilà, 1/60 et 1 millième, voilà. Et donc enfin, la petite manivelle ici, quand la pellicule est terminée, on doit la rembobiner. Donc d'abord,
On appuie là. Ça libère la pellicule ici. Ensuite, on peut tourner dans le sens des flèches. Donc normalement, c'est comme ça. Et une fois que la pellicule est entièrement rembobinée, et seulement maintenant, sinon vous allez pleurer, on soulève et ça ouvre le boîtier et on peut récupérer sa pellicule. Donc voilà. On va faire une pause d'une seconde. Je déclenche. Voilà. Si je fais un millième de seconde, je pense pas que la caméra va voir quelque chose. Même à l'œil nu, on voit pas grand chose, mais voilà. En fait, vous l'avez juste vu changer de place, mais il s'est bien ouvert et refermé pendant un millième de seconde, en théorie. Voilà. Donc le cordon, c'est un lacet que j'ai moi-même accroché. J'ai dû aller voir un vendeur d'appareils photo d'occasion pour qu'il m'explique tout bêtement que j'avais simplement à mettre des anneaux de clé dans les petits trous, et après je peux mettre une dragonne normale d'appareil photo réflexe. Sauf que voilà, j'avais pas pensé, mais c'est pas grave parce que je lui ai acheté autre chose. Étant donné que j'avais acheté sans cash, j'ai acheté un petit cash à 10 euros, le petit bout de plastique. Voilà, bon, c'est pas grave, il y a une ficelle avec pour pouvoir fermer mon objectif. Et en général, la ficelle, je l'accroche ici. Comme ça, je peux prendre des photos sans perdre le cache. J'ai acheté un autre objectif à une brocante pour 10 euros exactement. Il était tout plein de sable. Donc, je me suis dit, pour 10 euros, c'est pas grave. Il rentrait sur la monture de mon appareil photo, donc je l'ai acheté. Je l'ai entièrement démonté et je l'ai nettoyé. Et je me suis retrouvé avec un 135 mm qui ouvre jusqu'à 2,8. Pour 10 euros, soit 10,9 $. Cool. Et il marche très bien, les lentilles sont nickel. Il y a peut-être une ou deux toutes petites rayures, mais toutes les lentilles à l'intérieur sont parfaites. Donc la mise au point minimum de cet objectif, c'est 1,5 mètre par contre, mais il ouvre à 2,8. Il me semble que la plupart des objectifs les moins chers en 135 mm ouvrent à 4 ou 5,6. Donc c'est quand même super. Ça tient. Ça tient pas trop, mais ça protège. J'avais aussi acheté un deuxième cachette pour 10 euros au vendeur d'occasion. Normalement, on peut voir le diaphragme se fermer. Peut-être que si je mets du blanc. Hop, là je suis à 32
et l'achat de 8. On va le monter sur l'appareil. On peut voir le miroir à l'intérieur, qu'il faut que je nettoie d'ailleurs. Et voilà. Donc on peut faire des super photos pour 10 plus 40 euros. Et 5 euros de pellicule. Et j'oubliais aussi, il y a un retardataire, on a juste à tourner ça, on peut aller jusqu'en haut, on appuie au milieu. Et quand ça arrive en bas, ça déclenche, sauf que j'ai pas tourné ça, donc... Ok, faut peut-être aller jusqu'en haut, mais je vais pas le faire parce que ça dure 30 secondes. Ça pique un peu les oreilles. On va nettoyer un peu le miroir. C'est mieux là. Il y avait des petites traces de doigts. Voilà. Alors.
J'ai eu la bonne surprise de découvrir que les flashs marchent normalement avec la griffe. Donc, on va essayer. J'ai là un Speedlight 430X de Canon. Donc normalement, je l'allume en mode slave. C'est bien rouge ici. Et donc si j'enclenche, parfait, je vois plus rien. Nickel. On va laisser avec un deuxième flash. Qui est un flash annulaire Polaroid. Que vous accrochez au bout de votre objectif. Voilà. Parfait. Donc, on peut se servir normalement de ces flèches avec un argentique des années 70. Pour faire fonctionner la cellule ainsi que faire passer le courant ici pour que quand on déclenche il y ait une décharge pour annoncer au flash que la photo est en train de se prendre, il faut une pile et cette pile elle est là-dedans et donc j'en ai acheté par deux. Donc une pièce de 5 centimes pour ouvrir en dessous, sauf si on veut s'abîmer l'ongle. Et la pile, c'est une énergiseur A76. Voilà. Ensuite, je peux vous montrer quelques photos que j'ai prises avec cet argentique. Donc, voici une photo que j'ai prise à l'île de Ré, au bord de la plage. Ça, c'est un micro qui doit dater aussi des années 70.
Donc on peut très bien voir que c'était avec le 50 mm que le flou derrière le bokeh est super beau en fait. Surtout au niveau des tous les ronds du micro. Ça, c'est un nuage que j'ai vu par la fenêtre qui ressemblait à un bonhomme avec un gros pif, des petits yeux et une barbichette et des joues toutes rouges parce qu'il est pompette. Ça, c'est la randonnée en roller à Paris le dimanche. J'ai pris d'autres gens d'ailleurs. Ça, c'était à la pause. Donc, c'était en plein soleil. Le mec allait super vite. Et donc, j'étais à un millième de seconde. Il fallait pas que je me foire. J'avais une profondeur de champ assez faible en plus, j'avais un diaphragme bien ouvert donc pas mal de lumière. Et le mec venait du fond en fait. Donc il venait comme ça vers moi. Et au dernier moment, pour freiner, il a fait un dérapage. Et donc en fait, là, il est en train d'aller vers l'objectif. Et ça a coupé un tout petit peu les roues. Mais il me semble que sur la version qu'on m'a fait développer aussi après sur un DVD, c'est moins coupé ou l'inverse. C'est plus coupé sur le DVD et moins ici, mais voilà. Encore un autre monsieur en roller, en costard et en roller. Le style avant tout. Paris avec une super grue pour déménager. Donc si vous voulez emménager à Paris, ils sont au taquet. On vous balance votre canapé, enfin on vous monte votre canapé au cinquième étage, c'est bon. Encore une rue à Paris très connue avec cette œuvre d'art. Et enfin, une photo d'un bonhomme qui était en fait un des régisseurs sur un tournage qui promenait le chien, qui est un acteur du film ou de la pub ou du court-métrage, qui était en train d'être tourné. Et en attendant la préparation, il était en train de le promener, sauf qu'il n'avait pas l'air d'avoir l'habitude. Donc c'était marrant. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pellicule que j'ai achetée. Noir et blanc, il forme donc ISO 125 qui m'a coûté exactement 5,72 € et normalement c'est de la bonne qualité. Qui périme en octobre 2019. Parfait.
Donc il faut une garantie d'un an uniquement applicable aux États-Unis, sachant que c'est fabriqué en Angleterre. Bravo. Bravo les mecs. Et voilà, elle est prête. Pour partir, on virait. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et je vais tout de suite filmer une autre petite vidéo bonus pour les 10 000 abonnés. Bonne nuit.